Ils ont vécu tous les deux leur jeunesse dans le mouvement hippie, ou Peace and Love. Ça nous ramène assez loin en arrière. Ils cherchaient la vérité grâce au témoignage d'un ami. Ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». De retour parmi nous, le groupe Renaître, dans la personne de Jacques Whitney. Il est là. Il est heureux de vous dire que Jésus l'a racheté. Il sera là aussitôt après l'entrevue de Mario et Valérie Godbout. Nous avons une nouvelle brochure à vous offrir cette semaine, intitulée « J'ai la vie éternelle ». Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. Et encore, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est une petite brochure intitulée « J'ai la vie éternelle ». Il ne faut pas oublier « Bonne nouvelle » aujourd'hui, qui est le Nouveau Testament en français courant. Et j'aimerais vous donner, lire un extrait d'une lettre ici. À travers le Canada, il y a 18 centres régionaux de diffusion biblique offrant un grand choix d'écriture sainte en français, en anglais, en dialecte autochtone canadien et jusqu'à 100 autres langues. Les amis et donateurs de la Société biblique contribuent généreusement chaque année par leur soutien, par la prière, par leur aide financière, afin de soutenir une variété de programmes de diffusion biblique gratuits et subventionnés au Canada et à l'étranger. La Société biblique nous fait don du Nouveau Testament. Rendons-nous auprès de Mario et Valérie Godbout. Mario et Valérie Godbout! Wow! J'applaudis parce que ça fait longtemps que je connais Mario et Valérie. Je vous aime beaucoup aussi, tous les deux. Je vous ai connu, vous étiez nouvellement mariés, vous avez maintenant une petite famille. Mm-hmm. Et vous êtes déjà venu, c'est pas la première fois que vous êtes à Toute la Bible en parle. Non, ça fait la deuxième fois, mais c'était au tout début, il y a, je sais pas, 9 ans peut-être, oui, 10 ans. Si vous avez dit 60, ouais. Avant l'émission, 78. L'émission a commencé, Toute la Bible en parle, en 77. Mm-hmm. Et vous étiez à Toute la Bible en parle en 78, donc ça fait 10 ans, ouais. 10 ans, au moment de l'enregistrement. Là. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Parce qu'on va avoir assez de l'entrevue pour en parler. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment-là pour nous situer un petit peu? Alors, bien, là, on a une famille. Ça, c'est certain qu'on a fondé une famille. On est installé beaucoup dans la famille. On a 3 enfants. Ça fait que ça nous occupe beaucoup. Et puis, le travail et toutes ces choses qui s'ensuivent. Quelle sorte de travail? Moi, je travaille à Saint-Hyacinthe dans une imprimerie comme graphiste. Mm-hmm. Et puis, On ne demande pas à Valérie qu'est-ce qu'elle fait. Non, Valérie, c'est ça. Mère à temps plein. À temps plein. Ouais. L'âme du foyer. Oui, si on peut dire, oui. C'est beau. Eh bien, là, moi, je suis très, très intéressé de savoir. Puis, certainement, là, les gens qui vous regardent en ce moment aussi. Brossez-nous un petit tableau, là, de votre vie de jeunesse. D'enfance, de jeunesse. Je sais qu'elle est particulière. On va demander à Valérie, tiens. Bon, ben, disons que moi, j'ai été élevée dans une famille, une famille simple comme ça, où on manquait de rien, puis mes parents, ça allait bien, puis tout ça. Mais vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé vraiment à abandonner un peu la foi que j'avais, pour me tourner vers une pensée qui est de mon époque, là, les hippies là, ou les beatniks, comme tu dis. Puis, ben c'est comme je disais, mes frères avaient une grosse influence sur moi, donc j'avais presque pas le choix, mais je peux dire que aussi mon cœur était vraiment attiré vers ça, parce que comme personne, là, ce qui m'attirait beaucoup, c'était plutôt avoir une attitude détendue devant la vie. OK, puis avec l'amour en premier avant les études, si on peut dire, puis toutes sortes d'aspects comme ça qu'aujourd'hui, je retrouve dans la foi que j'ai, mais avec beaucoup de choses qui se sont replacées, tu sais. Oui. Disons que c'était presque une fuite
carte de la réalité que je vivais tout le long là, de ma recherche à partir de 12 ans jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur. Là. Aujourd'hui, j'ai un œil différent, vraiment différent, des raisons pourquoi j'étais là-dedans. On va reculer un petit peu parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont pouvoir s'identifier avec vous, ne connaissant la période dont vous parlez. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite description, Mario et Valérie, de ce que c'était ça, un beatnik ou un hippie, comme on les a appelés? Il y avait le peace love aussi. Je me rappelle, je passais dans une certaine rue, puis sur le toit de la maison, il y avait un gros peace love. C'était une espèce de cercle, là, avec un symbole. Sur le toit de la maison, je me disais, les gens qui habitent à l'intérieur, ils sont pour ça. Oui. Et sûrement qu'ils vivent. Donnez-moi une description de ce que c'était. Un beatnik ou quelqu'un qui veut... Est-ce que c'était un groupe? Vous faisiez partie d'un groupe? Vous étiez intégré à l'intérieur de quelque chose? Est-ce que ça concernait aussi l'habillement? Ça touchait plusieurs aspects de votre vie? Bien, moi, je me souviens qu'à l'école, quand j'étais là-dedans, c'est pas un groupe, là, mais... disons que c'est une pensée que tu crois que, dans le fond, c'est une réaction à une société dans laquelle t'es pas si bien que ça. Tu vois les valeurs qu'il y a dans la société, que tu n'es pas si bien que ça. Donc, ce qui était véhiculé, c'était l'amour. Oui. En fin de compte, ça fait que tu finissais par croire que cette force de l'amour-là finirait par apporter une solution ou bien ça t'apportait un genre d'espoir, tu sais, un genre de... Moi, je me souviens, j'étais à l'école, j'étais complètement absent à ce moment-là. Je suivais plus mes cours, je dessinais, c'était un genre comme ça. Je fais des dessins, la terre qui s'écroule, mais avec un gros peace and love au-dessus. Oui. Ça fait que c'était ça, les contrastes, des gros gratte-ciel qui cassaient, puis tout ça. Mais à l'arrière, il y avait comme un soleil en forme de peace and love. J'en faisais. Ça fait que c'était un peu ça, là. Comment est-ce que vous concrétisiez l'amour? Est-ce que vous vouliez l'imposer sur les autres ou vous vouliez qu'on vous aime? Comment est-ce qu'on véhiculait l'amour entre vous, là? C'était pas l'amour physique uniquement ou c'était l'amour physique aussi? Comment ça... Bien, pour ma part, moi, je voyais ça plutôt comme l'idée de tout mettre en partage. Ah, tu sais, venant d'une famille, j'étais une fille unique, pas enfant unique, mais fille unique, j'avais peut-être certains privilèges, puis je m'apercevais que, dans le fond, d'autres n'avaient pas ce privilège-là, donc j'avais vraiment besoin de sentir que je pouvais apporter quelque chose à quelqu'un, puis quelqu'un m'en apporte, puis ça pouvait aller jusqu'à dire, bien, si je remonte à l'âge de 12-13 ans, là, dans les débuts, bien, ça peut être aller, toi, ton allocation familiale, là, ça prend pas de temps que, bon, tu partages ça avec tout le monde, t'échanges tes jeans, toutes sortes de formes comme ça, pour montrer un peu que... On cherchait d'autres choses que de dire on va trouver un métier, puis se ramasser de l'argent, puis faire une petite vie tranquille. Non, nous autres, il fallait absolument que ça sorte des sentiers battus. Moi, je sais que pour moi, là, je cherchais vraiment, vraiment là, à montrer aux gens d'une manière paisible, là, si on peut dire, que je voulais pas suivre ça. Donc, c'était pas long, les jeans, les grands T-shirts, les peace and love. Là, tu sais, aujourd'hui, ça a l'air de rien, là, mais dans ce temps-là, là, c'était toute une... On les voyait pas. Oui, nous autres, notre famille, là, avec mes frères qui avaient les cheveux jusqu'ici, là, on était assez, pointés. Là, vous étiez là, dans la famille, toute la famille faisait ça, là, au fond. Oui, toute la famille, oui. Vous aviez des amis en dehors de la famille. Il y avait tout un groupe. Toi, tu disais tantôt, Mario, que c'était pas vraiment comme un groupe. Mais... Non, mais c'était pas un groupe officiel, mais quand même, c'était tout un milieu. Il y avait quand même plusieurs dans lequel on était. On s'identifiait beaucoup à notre manière de vivre, nos pensées, tout ça. Oui, parce que je m'en rappelle même qu'on disait, quand j'étais à Polyvalente, ça, c'est les straight, ça, c'est les modes, ça, c'est les hippies. Puis là, moi, j'étais dans les hippies, puis j'étais assez déterminée, moi, ça. Il n'y avait pas de doute. Il y avait un endroit à Toronto, à l'époque, qu'on appelait Yorktown. Ouais. Il y en a qui vont se souvenir de Yorktown. Puis j'étais passé, moi, à Yorktown. Puis là, il y en avait des milliers. Ils se promenaient comme ça dans la rue. Est-ce que vous êtes déjà... Vous visitiez entre groupes comme ça ou
Vous aviez des réunions ou des rencontres? Ou... Non, mais je sais que mon frère, à un moment donné, il a fait une fugue, puis il s'est retrouvé là. À Yorktown. Oui, oui. On le recherchait, puis c'est là qu'il était. Mais finalement, il est revenu au bercail, là, mais pour dire que c'était fort dans notre famille. Oui. Donc, vous nous avez dressé, là, un bon tableau, je pense, de ce qui se passait dans votre vie, à tous les deux. Vous vous êtes connus durant cette période-là, ou... Un peu après, là, quand ça, dans les années 70, là, ça, c'était plutôt, là, ça a été remplacé un peu par le granola, on peut dire, là, un peu. Qu'est-ce que c'est ça? La nature, là. Ah, granola. Le retour à nature, puis tout ça, là. C'était un peu dans ces années-là, 70, qu'on s'est rencontrés. Ça, c'était plutôt individuel, là. C'était tous les deux, le retour à la nature. Oui, c'est ça. Oui, ça, quand on s'est rencontrés, là... On pourrait dire que là, c'était l'aboutissement là, de cette pensée-là. On voyait que, bien, en tout cas, pour ma part, là, je voyais que le temps avançait. Puis, OK, j'étais jeune, mais là, j'avais un avenir devant moi. Puis, c'est pour ça que là, la recherche du Seigneur là, s'est faite ressentir beaucoup plus fortement. C'est une initiative personnelle, la recherche du Seigneur? Ou... Oui, bien oui, parce que moi, je dirais qu'à partir du moment où j'ai voulu comme un peu, comment on dit, là... faire une séparation avec les valeurs traditionnelles. Là. Ouais, c'était vers l'âge de 12 ans. Moi, je me rappelle consciemment de m'être mis là, à chercher quelque chose d'autre que ce que je connaissais. Puis je le savais que c'était quelque chose de plus fort que juste des valeurs. Mais ça m'a pris du temps. J'en ai visité des... toutes sortes de j'adhérais à toutes sortes de pensées. Ça pouvait aller jusqu'au communiste, pour te dire, oui. Mais je ne suis pas restée longtemps, non? Parce que c'est tout le contraire de l'amour, là. Tant que tu n'as pas mis les pieds dedans, c'est attirant, là, le côté communauté, là, si on peut dire, là, de... Mais quand tu es dedans, là, c'est toute une autre atmosphère qui m'a repoussée assez vite. Mm. Mais c'est pour dire que je cherchais, j'étais prête à aller... Puis, ben, pour le trouver, là, ça, finalement, ça aboutit avec quelqu'un que j'ai connu qui, lui, vivait une relation personnelle. Là, puis, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, à partir du moment où j'ai vu que Dieu pouvait être approché d'une manière intime, là, ça correspondait à ce que je cherchais. Puis, vous étiez ensemble quand même à ce moment-là? On a commencé là, à peu près dans ce temps-là. À se connaître autour de ce temps-là, oui. Puis toi, ça se faisait comment, l'appel du Seigneur dans ta vie? Bien, moi, c'était un de mes amis, justement, avec qui je partageais ça un peu, qu'à un moment donné, il a décidé de partir pour Vancouver. Parce que là, c'était comme le summum, aller à Vancouver, sur le pouce, avec juste un pack-sac, puis rien, là. Moi, ça m'impressionnait qu'il le fasse. Dans le fond, on pensait qu'on était libre, mais dans le fond, on n'était pas si libre que ça, parce que quand je l'ai vu partir, moi, j'aurais pas fait ça, tu sais, tout laisser. Mais quand il est revenu, au bout de quelques mois, puis que là, il se disait, je suis pas plus avancé que quand je suis parti. C'était comme le fils prodigue là, qui était parti, puis là, il revenait avec rien. C'est ça. Lui, il pensait trouver, il était en cheminement, mais... C'est là qu'il s'est mis à lire dans la Bible lui-même, puis il a cherché dans la Bible. Et puis, plus tard, moi, à ce moment-là, j'étais étudiant à Rivière-du-Loup. Moi, je suis venu à Montréal, et puis là, lui aussi s'est retrouvé à Montréal en même temps que moi. Puis là, lui, il avait été dans... En tout cas, il avait eu une expérience qui... Il avait fait appel au Seigneur au bout de ses recherches, puis... Il avait donné sa vie au Seigneur, mais moi, ça m'avait vraiment bouleversé qu'il me dise ça, parce que je voyais son cheminement. Ça fait que moi, ça m'a commencé à mettre la puce à l'oreille. Puis je pourrais dire que c'est en ville, en venant à Montréal, que le Seigneur m'a interpellé, parce que je voulais pas venir à Montréal. J'étais entêté. Oui. Puis c'est là qu'il m'a fait fixer un rendez-vous, comme on peut dire. Ça fait que... Le Seigneur t'avait fixé un rendez-vous. Oui, en venant à Montréal. Là. Ouais. Puis vous vous souvenez du moment précieux de votre vie, là, où, crac, ça s'est fait, là, la nouvelle naissance, là, pour vous deux, là. Est-ce que vous vous en souvenez de ce moment-là? Oui, moi, je m'en souviens bien. C'est, disons que, en ayant rencontré ce gars-là, là, qui me faisait connaître Dieu personnellement, bien, pour moi, la notion que Dieu existait a commencé à revenir parce qu'il était complètement absent de ma vie. Mm-hmm. Mais
ce qui arrivait, là, c'est que je vivais toutes sortes de combats, si on peut dire, parce que je me disais, il existe, mais comment faire pour qu'il soit dans ma vie? Puis, autrement dit, j'essayais d'y croire par la tête. Mm-hmm. Puis ça finissait là. Donc, j'étais déçue, assez déçue. Mais finalement, à un moment donné, je trouve un petit papier que ce garçon-là m'avait donné. Puis c'était marqué « Viens à moi tel que tu es ». J'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, j'attendais d'avoir tous les attributs pour aller vers Dieu puis changer de vie. Puis c'est, il y a un soir, là, à un moment donné, j'ai arrêté de lutter parce que je voyais que c'était impossible que je sois ce qu'il voulait de moi, là. Puis un soir, avant de me coucher, là, ben j'y ai dit ouvertement, la manière la plus simple, là, maintenant, là, j'abandonnais toute ma vie pour le suivre, quitte à aller en Afrique si c'était ça. En tout cas, je sais bien que je ne serais pas allée, mais c'était pour montrer que je m'abandonnais à lui, là, mm-hmm. sans savoir ce qui m'attendait. Puis le lendemain, là, en me levant, là, c'est pas croyable ce que j'ai ressenti. Là. C'est une paix là, que j'avais jamais connue de ma vie. Donc, j'ai pas pu douter une seule minute que j'avais fait le bon choix. Puis depuis ce temps-là, ça continue, tu sais. Ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans, là. 11 ans, donc c'était une vraie conversion. Oui. Oh, que oui, tu oui. as expérimenté, puis c'était la première journée, mais ça a continué. Oui, ça a continué. Jusqu'à maintenant. Oui. Même si c'est sûr qu'il y a des jours où c'est pas facile, là, mais Dieu, il existe, il est vivant, puis c'est à moi de me tourner vers lui. Puis à la minute où je me retourne vers lui, il est vivant, là, ça m'impressionne. Vivant, là, comme hier, là, le tremblement de terre, là, je me demandais comment je vivrais ça. Hein? Bien, je me sentais proche de lui, puis j'ai dit « Fiou! » Hein, c'est vrai parce que malgré la peur, il pouvait y avoir ce calme. Oui, parce que c'est sûr qu'on n'est pas toujours conforme à ce qu'il veut, nous. Puis on s'accuse, on se sent coupable des journées. D'autres journées, on dit « Oui, je vais l'accepter, son amour. » D'autres journées, on dit « Ben oui, il n'y a pas de problème, il m'aime comme je suis. » Puis je me dis « S'il fallait qu'il arrive... quelque chose comme ça, est-ce que je serais prête d'être devant lui? » Puis vraiment, là, j'étais toute en paix, puis ça m'a réconfortée. Puis cette paix-là, toi, Mario, tu l'as aussi avec ton épouse maintenant depuis toutes ces années. Le même nombre d'années. Oui. Mais, tu te souviens du moment précis? Non, c'était pas un moment précis. Ça s'est fait graduellement pour toi? Oui, c'est plutôt graduellement. C'est que, dans le fond, si on était dans des pensées comme ça, c'est parce qu'on cherchait à être aimé. Oui. Et puis... quand Jésus est venu, c'est lui qui nous a montré qu'il pouvait nous aimer de la manière qu'on cherchait. Et puis, mais il a fallu qu'il nous gagne à ça parce que là, on avait toutes nos pensées. On cherchait quand même ailleurs. Mais moi, ça a été ça, la lutte. C'est que de finir par accepter que lui m'aimait comme ça, gratuitement. Et puis de lui faire confiance. Puis c'est ça qui nous donne une paix. Puis qui nous enlève nos angoisses puis nos inquiétudes, dans le fond. Parce qu'on sait aimer, peu importe, puis on n'a pas besoin d'être parfait ou d'avoir un titre. Ouais. Puis pour l'avenir, pour ce qui est devant vous, qu'est-ce que vous voyez là, dans les médias ou peut-être un petit peu plus tard dans le Seigneur pour vos vies? Sûrement que vous pensez beaucoup à vos enfants quand je pose une question comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, ce qui est primordial, là, disons, c'est de pouvoir leur transmettre ça. Puis de rester unis, coûte que coûte. Puis même, je dirais que je compte sur ce témoignage-là, peut-être pour toucher les gens autour, là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, les familles, là. Ils ont beaucoup de difficultés, donc je pense que c'est le temps de montrer que... Ça va toucher les cœurs, sûrement. Ouais. Est-ce qu'il y avait un verset très rapidement? Ben, à peu près 30 secondes, hein? Je vais le lire seulement. Ça m'avait bien frappé. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra peut-être sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi et pour l'Évangile trouvera la vraie vie. Que servirait à un homme de gagner le monde entier au prix de sa vie? La vraie vie. Alors, c'est là-dessus qu'on se termine, qu'on termine l'entrevue. Merci beaucoup, Mario et Valérie. Ça nous a fait plaisir. Mario et Valérie Godbout. Eh bien, c'est un beau témoignage. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. On voit que le Seigneur est capable de transformer des vies, leur donner vraiment le peace and love.
la vraie paix et l'amour qui vient du Seigneur. J'aimerais faire justice à la société biblique en me reprenant un petit peu de ce que je lisais tout à l'heure. Là, j'étais même surpris de voir qu'à travers le Canada, il y a 18 centres régionaux de diffusion biblique offrant un grand choix d'écriture sainte en français, en anglais, en dialecte autochtone canadien, jusqu'à 100 autres langues. C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de langues ici même au Canada. Alors, je voulais faire justice à la Société biblique et les remercier du plus profond du cœur au nom de toute l'équipe, l'équipe de Toute la Bible en parle. Nous avons ici un petit livre intitulé « J'ai la vie éternelle ». Avez-vous la vie éternelle? Moi, je peux dire que oui, et ce n'est pas prétentieux du tout. C'est marqué ici, par exemple, à la première page, « C'est une chose de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. » C'en est une autre, c'en est une autre d'avoir l'assurance personnelle du pardon de ses péchés et la vie éternelle. Est-ce que vous allez le demander, ce petit livre-là? Il y a une certaine quantité. Et si vous faites assez rapidement, nous pouvons vous assurer que vous aurez la vôtre. Et le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui en français courant, il est à vous aussi la condition écrire. À la fin de l'émission, vous verrez l'adresse. Il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. C'est un cadeau de la Société biblique. Sentir la présence et l'amour de Dieu chaque jour près de vous, c'est merveilleux. N'est-ce pas, Jacques Whitney? Le sentir près de moi à chaque jour, c'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi. Le sentir près de moi à chaque instant de ma vie. Oui, je suis heureux. Que Jésus m'a racheté dans mon cœur. J'ai cette âme qui brûle. Il faut que je vous le dise. C'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi. Le sentir près de moi à chaque jour. Chaque instant de ma vie. Jacques Whitney du groupe Renette. Merci beaucoup, Jacques, et au plaisir de vous revoir. Et toute l'équipe aussi, Claude Charest et les autres.
aurait fallu tous les nommer pour bien faire. Nous vous remercions au nom du Seigneur. C'est au travers de ces paroles-là que plusieurs ont été gagnés au Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire en cet instant qui est prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui croient au Seigneur et qui disent « Oui, Seigneur, je te donne ma vie ». J'aimerais bien le savoir. J'aimerais que vous puissiez, en toute sincérité, décrocher cet appareil de téléphone et nous appeler pour dire « Je suis celui auquel vous faites allusion, là. Je suis prêt à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tel que je suis, je viens au Seigneur. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui veut le faire maintenant? Est-ce que je m'adresse à vous, là, qui avez su par la voix de Dieu, souvent qui se fait entendre une petite voix dans notre conscience, dans notre cœur, qui dit « Viens à moi. Il y a d'autres choses pour toi dans cette vie. Je veux te donner la vie éternelle. Je veux t'enlever ce fardeau que tu portes depuis assez longtemps. » Ne lâchez pas, ne vous découragez pas, ne faites pas de bêtises, là. Il n'est pas trop tard. Venez au Seigneur aujourd'hui tel que vous êtes. Il vous appelle. Sûrement qu'il vous a appelé par cette émission. Et il y aura une autre émission bientôt, et celle-ci, nos invités seront Rémi et Joanne Payette. J'espère que vous les rencontrerez. Leur thème, le thème de leur émission, « Jésus sur le trône de leur vie ». Et Chuck D'Souza sera là. À bientôt!